Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va à Bollène avec Roger, le 807. Et dans cette vidéo, on va sur la route des Romains. Voilà quoi, on va dans le sud de la France. Allez, on part dans... Il est quelle heure? Il est 7h10. On part dans... Allez, une demi-heure. Le temps de prendre le petit déjeuner. Allez, bonne route, bonne vidéo. Ciao, à tout à l'heure. C'est beau la Creuse en fait. Et là on n'est pas sur le rang. Plus bas c'est encore plus beau même. Vers Aubusson, là, le plateau des mille vaches. Mais on va pas passer par là. Regardez ça, il y a des... Moi, j'aime bien. On est juste à côté de Guéret. Alors voilà, rebonjour. On est bien arrivé hein, à destination. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Entre Lyon et ici, on est à Bollène. 3 heures d'embouteillage. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. 3 heures d'embouteillage. Entre, il y avait un monde de fous sur la route et puis tout le temps des accidents. Incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, il y avait que des accidents, il devrait faire attention. Ouais, et pourtant j'en ai fait des bornes hein, avec les groupes de musique et tout. Et ben, j'ai jamais vu ça. Et puis donc on prend la voiture avion et on va voir rouge. Qu'est-ce que j'ai dit? Rouge et jaune. Bon, c'est une petite blague pourrie, vous allez comprendre juste après. Allez, sur la route des Romains. Alors, comme mon papa vous l'a dit, on va à Orange. Fondation, merci. Fondation de la ville d'Orange. Une colonie romaine. Après 25 ans de service, les vétérans des légions romaines étaient récompensés par l'attribution d'une terre afin de romaniser les nouvelles provinces. La colonie romaine d'Orange est fondée vers 36 avant Jésus-Christ par les vétérans d'une légion commandée par Jules César. Les vétérans de la deuxième Gallica ont également érigé un arc de triomphe en 20 après Jésus-Christ. Il a été dédié à l'empereur Tibère en 27 après Jésus-Christ. Les vestiges de construction romaine. Des fouilles réalisées dans les années 1920 mettent toujours les vestiges d'un temple et de son hôtel à côté du théâtre antique. Le théâtre et l'édifice en hémicycle constituaient un augustéum. Ensemble consacré au culte de l'empereur. Il mesurait 24 mètres de large et 35 mètres de long. Le temple et le théâtre communiquaient par des passages. Alors, la scène et les gradins. La construction devait respecter des principes techniques de diffusion du son. Le monument est bâti autour de l'orchestra, l'espace semi-circulaire qui se trouve au pied des gradins. Sous la scène se trouvait une fosse étroite qui recevait le rideau de scène qui n'était pas levé mais abaissé dans cette fosse. L'été, une grande toile, le vélum, était tendue au-dessus de l'hémicycle au moyen de cordes pour protéger le public du soleil. Le théâtre pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs, soit à peu près la population locale de l'époque. Les spectateurs prenaient place sur les gradins appelés la cavea. Le théâtre est gratuit et ouvert à tous, mais tout est organisé de façon à séparer les classes sociales. Les gradins du premier rang étaient réservés aux personnalités importantes parmi les citoyens romains. Derrière eux se tenaient les chevaliers, comme en témoigne gravé dans la pierre du troisième rang l'inscription EQG 3, Equitum Gradin 13. Au-dessus étaient installés les membres des collèges sacerdotaux, les corporations d'artisans et de commerçants. Plus haut, le tout venant de la population et au sommet de la cavea, debout, se tenaient les pulati, les esclaves, les prostituées, les mendiants, ainsi que les étrangers ne bénéficiant pas du privilège de la citoyenneté romaine. Se rendre compte que des gens se sont assis ici il y a plus de 2000 ans. Depuis 2000 ans. C'est dingue.